Bientôt le coup d'envoi de la demi-finale, enjeu magnifique pour le vainqueur, une participation à la grande finale européenne. Grégoire Margoton, accompagné de Darren Tulette, qui nous livrera ses analyses. Et nous entendons le fameux hymne de l'UEFA Champions League. Dépendra de l'entame de match, comme souvent. Voilà, on y est. Début de la rencontre. Sami. Alish. Il peut rentrer dans la surface. Et malheureusement, ça ne donnera rien. Adam. Elle était facile cette passe pourtant. Les tifosi sont réputés pour leur amour du club évidemment, et on dit que c'est la Juve qui a le plus grand nombre de supporters à travers toute l'Italie, et ça, Darren, c'est vrai. C'est vrai, en effet, on peut le constater, alors que ça ne fera certainement pas plaisir aux supporters de l'Inter ou du Milan, mais c'est une réalité italienne. Il a de l'espace sur le côté. Très bonne lecture du jeu. Des passes comme ça, la défense peut en gérer toute la journée. Pas de problème, aucun souci. Pirlo maintenant. Il joue dans l'espace. Alish. Sa passe manque juste un petit peu de finesse. On se compte qu'il peut aller loin. Très bien exécuté. Adam. Attention, la frappe! Il marque contre son camp, il faut vite relever la tête maintenant, il est parti éliminer ce match. Aïe, 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 espérons que ça ne va pas trop jouer sur son moral. Faut vite oublier, vite se reconcentrer. Mais bon, c'est le jeu. Le ballon a franchi la ligne, c'est tout ce qui compte et ça le donne l'avantage. Oui, il faut toujours jouer le ballon du front. Et maintenant Barzali. Le centre dans la surface. Oh, il a complètement manqué son dégagement. Et ça peut être dangereux sur ce contre. Une différence. On approche de la grosse équipe. Il est seul, il peut frapper. C'est le moment de centrer. Felipe Melo. Pepe. Mais l'arbitre qui met un terme à cette première période. Oui, un but contre son camp, ça
plombe toujours le bon. Et pour ceux qui viennent juste de nous rejoindre, sachez que la première période a été très intéressante. J'espère que la suite sera encore plus mouvementée. La Juventus contre le... Une occasion. Il file vers le but. Allez, ça peut faire mal. La balade. Le drapeau s'est levé hors jeu. Il n'y avait pas grand-chose, mais on le voit, il est effectivement hors jeu. Frappe. Il s'échappe dans l'axe. Sans souci pour le gardien. C'est un bon arrêt au final, mais le gardien l'a aussi surpris que nous. Il peut y aller. Oh, ça défensivement, c'est très fort. Ah, c'est intercepté. Pirlo. Ils ont toujours le ballon. Steiner. Maintenant. On approche le dernier quart d'heure. Les deux entraîneurs ont choisi de faire plusieurs changements. Vucinic maintenant. Remonte le ballon. Il est en bonne position pour centrer. Surtout garder son calme. La priorité, c'est de ne pas commettre de fautes inattentives. Oh non, c'est récupéré. Allez, bonne intervention, le danger va s'éloigner. Oh non, c'est trop facile pour le défenseur. L'accélération. Steiner. Surface. Coup franc accordé. Il trouve du soutien. C'est fini. Le coup de sifflet de l'arbitre, c'est fini dans cette rencontre. Un petit but à l'issue de cette rencontre.